dark side, I wanna be your left hand. Salut tout le monde, ça va bien? Moi oui, joyeux Halloween! Mais en fait là vous voyez ça genre le 2. Mais en tout cas, aujourd'hui c'est l'Halloween. Là je suis en train de manger des restants. Il est 11h30, je suis debout depuis 9h45 à peu près, quand ma brique s'est réveillée. Puis après, les autres se sont réveillés, là. Fait que c'est ça, je me suis juste lissé les cheveux ce matin, fait une petite couette. C'est ça, j'ai mon rendez-vous de remplissage de cils dans une heure. Puis c'est pas mal ça, aujourd'hui on passe l'Halloween! Bon tout le monde, il est présentement 1h30, je viens de finir mes cils. J'ai Fredo, mon dieu, j'ai les cheveux dans le trou. C'est beau, hein? Fait que là, j'ai pris mes rendez-vous jusqu'à Noël, Anthony. C'est bon, ça. Fait que je vais aux 2 semaines. Fait que c'est ça! Je suis vraiment contente. Ouais, fait que là, on est... Viens là, si tu veux, hein? Oh! Anthony, il était chercher un cappuccino glacé pendant mon rendez-vous. Bon, tout le monde! On est revenu du centre d'achat. J'ai été chez Dynamite parce qu'il fallait que je me trouve une robe pour mon party de Noël. Ben oui! Parce que c'est le 17 ou le... pas le 17 novembre, mais en tout cas c'est le samedi. Fait que c'est pas le 17, c'est le 18 là, mais en tout cas, ça. Puis le thème c'est diamant. Mais j'ai rien trouvé parce que au Dynamite ici, il est petit puis il y a rien. Fait que c'est ça, parce que j'ai vu une robe en ligne. Mais j'ai reçu un colis de Maybelline, fait qu'on va le découvrir ensemble. Fait que j'ai reçu le mascara Colossal Big Shot. Ah, c'est un primer, base teintée, comme ça. Je vais donner à quelqu'un parce que je mets pas de mascara. Puis, ah, ben dans le fond, c'est 2 mascaras. J'en ai reçu un, fait que c'est le Colossal Big Shot. Et j'en ai reçu un noir, ouais, un noir puis un bleu. Comme ça. Fait que, ouais, un nouveau mascara. Fait que ça dit... découvrez deux nouvelles teintes de mascara en magasin pour un temps limité. Fait que c'est volumineux et tout ça. Alors, ben quelqu'un qui va pouvoir le tester pour moi. Que je vais le donner peut-être à ma mère ou à ma soeur, je sais pas. Je vais voir si ils ont besoin de mascara. on a été au Urban Planet, puis il y avait le Urban Planet Kids. Puis dans le fond, là, le deuxième item était à 60%. Fait que regardez ce que Anthony a choisi. C'est vraiment cute, ok? Parce qu'ils vont être habillés pareil, mais pas tout à fait pareil. Fait que ça, c'est un chandail. Puis il a l'air de belle qualité, là, quand même. Deux ans, ben. Deux grecs là pour Jaden, puis c'est un bleu pâle, puis il a des petites oreilles comme ça, c'est vraiment cute. Fait que Jaden, lui, puis avec ses petits pantalons gris. Fait que les pantalons, c'est 18-24 mois. Comme ça. Des petites étoiles, puis c'est le fun parce que comme une coupe genre harem, fait que c'est comme plus lousse ici, fait qu'avec les couches lavables, c'est super. Fait que celui-là, il était 9,99, mais comme je vous dis, dans le fond, on a eu 60% genre sur le deuxième item. Fait que ça, c'est le kit à Jaden. Et ça, c'est le kit à Maverick. Donc, c'est un chandail 6-12 mois parce que dans le fond, le chandail, c'était 3-6 mois. Puis là, il porte du 6 mois. Fait que c'est ça. Donc, l'autre grandeur après, c'était 6-12. Fait que c'est sûr que c'est un peu grand là maintenant. Mais tu sais, c'est. Ça va y faire bientôt. Là. On s'entend, il grandit tellement vite. C'est... Eux, ils écrivent-tu? Non, ils écrivent pas le poids que c'est censé être. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Mais de toute façon, quand que ça va y faire, Jaden, le 2 ans, c'est comme lousse comme chandail. Fait que ça va leur faire en même temps quand même. Là. Fait que dans le genre de moutarde, avec le petit pantalon qui est le même, mais dans le kaki. Fait que pareil pour ça, tu sais, les grandeurs c'était 3-6 mois, 6-12 mois. Fait qu'on a pris 6-12 mois. C'est vraiment cute avec le petit rond et tout, là. Fait que voilà, ça c'est pour les garçons. Fait que habillé pareil, mais pas tout à fait pareil. Pas les mêmes couleurs. Fait que ça, puis là j'ai
des petits trucs à moi aussi. Dans le fond, tout était vraiment un deuxième thème à 60%. Là. Fait que des bas longs. Genre, il y a une paire foncée puis une paire comme ça. Fait que ça, c'est les très longs. Fait que la même affaire, mais des bas moins longs. Les mêmes couleurs. Fait que c'est 9,99$, fait que l'autre était à 60%. Oh, j'arrive. C'est Anthony qui l'a. Fait que deux bandeaux aussi, un rose comme ça, vieux rose, puis un tressé noir. Je peux se voyer là. Voilà, c'est tout. Moi j'adore ça les bandeaux. Bon, tout le monde, je suis assise à terre. Parce que ma brique est là, sur son tapis d'éveil. Je suis en train de manger une collation. Mais il mange une pomme, mais on va très bientôt souper en fait, parce que... C'est ça, on soupe tôt parce que après on va passer l'Halloween, puis j'ai vraiment hâte de voir s'il va avoir peur. En tout cas, je vais vous filmer ça là. Hey, mes cheveux ont vraiment poussé, hein? C'est intense. C'est fou. Puis c'est le fun parce que mes cheveux poussent, mais c'est ma couleur naturelle, fait que ça fait pas comme pour faire de repousse, genre. Je sais pas si vous comprenez. Mais... En tout cas, fait que. Ça me dit que ma brique a un petit peu mal au bedon, là. Parce que... Pourquoi pas, regardez-le. Regardez mon petit bébé. On voit pas gros, là. Ouais, regardez, ça doit être là. C'est un 6 mois. Genre, en longueur comme ça, elle devient déjà courte. C'est Denis là. Il essayait de réconforter son frère et... Oh! Il veut faire ça gentil, il enlève sa sauce puis il remet. Oh la mouche est là! Quoi? Papa! Quoi tu fais? C'est Jayden! C'est Jayden dans la caméra! Ouais! Salut! Oui! On va déguiser Jayden en policier tantôt? Oui! C'est Jayden? Il est beau Jayden? Est-ce que Jayden il danse? Il fait yeah! Yeah! Vas-y! Yeah! Yeah! Non? Yeah! 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 Tu fais ton génie? Bon, ok, c'est ça. Puis là, moi, ce soir, dans le fond, hier, j'ai édité le vlog d'hier. Pour qu'il soit en ligne demain, mais il faudrait. Ce soir, il faut que j'édite le vlog d'aujourd'hui, vraiment, parce que demain, c'est. Le photoshoot et c'est la première de Marinding à Brossard. Fait que à l'autre bout du monde. Non, c'est pas vrai, je suis arrivée nord, tu sais. Puis on va aller souper au restaurant. Quand Tony me dit tantôt, me dit, on va en profiter et on va aller souper au restaurant ensemble. Fini? Un peu plus? Mais. Faut que je sois plus de lait, ça, ça veut dire. Ah, tout le monde, je capote, là. Là, si vous entendez la musique de derrière, c'est la musique, genre, d'enfant d'Halloween. Qu'est-ce qu'il y a, Jayden? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Jayden, là, pour de vrai, il devient vraiment gentil avec son frère, puis il est beaucoup plus doux qu'avant. Oui, il est énervé des fois, mais comme la majorité du temps, maintenant, il est doux, il vient tout le temps flatter son frère, puis là, regardez. Son frère est là. Puis il sait qu'on essuie la bouche de son frère avec ça. Fait que là, il a été chercher ça dans le salon, puis il est venu, puis il a fait ça comme ça sur sa... excusez, je le montrais pas, mais il est venu, il a essuyé la bouche. Puis là, il a vu qu'il avait échappé sa suce. Puis là, il a pris la suce, puis il a remis dans la bouche. Il est tellement cute, là! On va manger, puis Anthony a déjà donné des bonbons. Ah, il y a du monde qui ont cogné chez nous. Oh! Jayden le policier! On a mis avec son groupe pyjama en dessous, comme vous pouvez voir. Waouh! Faudrait. Jayden, on va passer l'Halloween!
Le manteau, il est dans le dans l'auto. Son manteau entre les deux. Jayden, le premier Halloween. Mavriquella. Regardez ça. Tout le monde. On est venu faire une surprise à mon père. Oh oui, une belle surprise. Oui, parce que c'était proche de où qu'on passait l'Halloween. Jayden, viens mon petit policier. Je comprends pas c'est quoi le chauffage qui est passé dans la maison. Ah oh, ouais, le chauffage, hein, cadeau. Jayden, viens. Puis je l'ai essayé, hein, c'est vraiment de l'air soufflé. Mm-hmm. Jayden. C'est juste à ce place-là. Il a gardé son chapeau tout le long. Ah oh, oui? Regarde, regarde maman. Mm-hmm. Tu veux juste avant? Tu veux juste avant? T'as mis tes beaux souliers. Ah! Oh. Comment ça? Il fait rire quand il s'assied. Pourquoi? Regardez ma frère qui était dans son petit habit. Oh oui. Oh! C'est ça, ce piton-là, en haut à droite. T'es-tu joyeuse Halloween? Joyeuse Halloween! Allô tout le monde, je vais juste vous conclure mon vlog. J'ai les cheveux mouillés parce que j'ai été prendre ma douche. Demain, j'ai un shooting photo, puis la coiffeuse a demandé qu'on ait les cheveux lavés de la veille, mais pas du jour même ou de la veille, mais pas de faire plat. Puis là, ben premièrement, je les avais lavés hier soir, puis il y avait du fer. Ok, voilà, je les ai lavés. Oh mon dieu, l'Halloween, genre, c'est fou, c'était vraiment comme quand j'étais jeune, genre, ça faisait des années que j'avais pas vu autant d'enfants passer l'Halloween, comme autant de maisons décorées, c'était juste fou, là. Dans le quartier, c'était un thème, genre, zombie. Fait qu'il y avait plein de zombies, tu sais, des bénévoles zombies qui se promenaient dans la rue, des gars de l'armée, comme celle de l'armée et tout, là. C'était vraiment le fun. Tout était décoré, vraiment dans le thème zombie. Il y avait des autos parquées, tout croche, pour faire vraiment. C'est comme si du monde serait enfui, là. C'était fou, là, comment c'était bien décoré. Puis comment c'était. Festif, genre, c'était vraiment comme, tu sais, quand j'étais jeune, là, excusez-moi, j'essaie de passer mes cheveux qui me dérangent pas. Tu sais, quand j'étais jeune, il y avait, quand j'étais jeune, tu sais, c'était genre plein de maisons décorées, tu sais, là, une maison sur deux était décorée, plein d'enfants qui passaient l'Halloween, là, c'était genre, je dis, comme vous avez vu, là, 15-20 enfants par porte en tout temps, là, c'était fou, là. Fait que, c'était vraiment le fun, en tout cas. Mais à ce que j'ai entendu parler des gens, parce que quand j'attendais avec ma vraie, je pense que c'est
quelque chose comme quoi la ville est subventionne genre pour qu'ils fassent ça. C'est pour qu'ils donnent des bonbons là dans le fond pour les décorations et tout là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est la troisième année qu'ils font ça genre. C'est ça que j'ai entendu dire. Un genre de quartier zone. Fait que c'était bien fun. Jaden était juste de même tout le long. Genre, il avait pas peur. Il était juste comme. J'y revenais juste pas. Genre. Fait que en tout cas, c'est ça. Là, c'est vraiment poche. Parce que là, après, on a été faire du pouce de mon père. Parce que c'était vraiment poche de chez lui. Puis, quand on est reparti en auto, on habite à 5 minutes de chez mon père. Jaden s'est endormi. Jaden s'est endormi dans l'auto. Puis ben, comme en rentrant, il fallait changer sa couche, enlever son costume, toutes les épaisseurs qu'il y avait, genre. Puis ben après, il voulait plus rien savoir de dormir, mais tu sais, genre, il était 7h40, hein. Fait que lui, tu sais, vous savez, il se couche un peu plus tard, fait que, en tout cas, lui, il voulait plus rien savoir de dormir, fait que lui, il est encore réveillé. Il est 10h, mais qu'est-ce que vous voulez, genre, lui, on dirait, il dort 5 minutes. C'est foutu, genre. Fait que là, j'étais en train de stériliser les petits biberons à veine comme ça. J'ai retiré mon lait. J'ai juste de retirer mon lait. Puis là, j'ai 3 petits biberons comme ça pour demain. J'ai rempli le. Je vais stériliser celle-là. Je vais sortir par là. Fait que, ouais, j'ai 3 petits biberons de stériliser pour demain. Ouais. Fait que moi, je vais emporter mon tire-lait manuel. Ouh, ça coule à côté. Je vais emporter mon tire-lait manuel parce qu'on va aller au resto puis au cinéma après. Fait que c'est ça, je vais en avoir plus besoin, je vais être engorgée. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que j'ai hâte à demain. Puis là, faut que j'édite mon vlog d'aujourd'hui. Mais Anthony est en train de faire son travail sur mon ordi. Fait que ça va être plus tard. Fait que c'est ça. Je vous dis bonne nuit et on se revoit demain. Bye tout le monde!